Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. La Guinée aura-t-elle sa première femme à la tête du gouvernement guinéen? À l'orée des remaniements beaucoup répandus, un nom revient souvent, Mariama Sakina Diallo SY. En effet, aux égards au rôle et à l'influence des personnalités féminines, les secteurs publics et privés et dont la société civile comme le patronat, la probabilité de voir bientôt cette femme à la tête d'une équipe gouvernementale guinéenne ne surprendra plus personne. Pour ceux qui souhaitent que le président Mamadi Doumbouya offre cette opportunité aux femmes de Guinée, tout semble également plaider en faveur de la désignation de Madame Mariama Sakina Diallo SY, ancienne ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie, présidente du comité de normalisation du football guinéen CONO, présidente du réseau des femmes leaders africaines, chapitre Guinée AWLN et membre influente du patronat guinéen. Récap sur le brillant parcours de Madame Sakina Mariama Diallo. Titulaire d'une maîtrise en sociologie, histoire, évolue dans le secteur privé depuis plus de 25 années déjà. Entrepreneur dans l'âme, elle est depuis 1994 fondatrice et présidente directrice générale du groupe mondial, tout évoluant dans l'hôtellerie, le tourisme, la restauration, traiteur, le voyage et Nimba, plus représentant exclusive de lui. PS en Guinée, logistique, transit, transport, fiat aérienne et maritime, police et courrier express. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés et scotez à la chaîne. Partagez avec vos amis, amis, familles, reconnaissants si vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très bien.